trouverai jamais. Tiens, une maison là-bas, je vais aller voir. Je regarde s'il n'y a pas personne quand même. C'est bon, personne, on peut y aller, la voie est libre. Tiens, il y a des panneaux, c'est écrit quoi? Chez Michel. Hein? Non, il est pas là, c'est bon. Ne pas entrer. Qu'est-ce que je m'en fous, je rentre, allez. Allez, hop, c'est parti. Quoi? Non, une alarme! Putain, vite, je me casse! Allez, je vais quand même réessayer. Je vais pas rester là-dessus. Bon, je vais désactiver d'abord cette fichue alarme. Bon, ça va, je connais bien Michel, je sais où il flanque ce système. Hop là. Voilà, on n'aura pas. Je vais pouvoir tout voler discrètement sans qu'il ne voie quoi que ce soit. Enfin, à part quand j'aurai tout volé. C'est bon, nickel, personne. Yes! Alarme désactivée. Hop. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Oh, une télé. Qu'est-ce qu'il y a à regarder? Bref, de la merde, laisse tomber. Non, après l'étage. Tiens, un sous-sol. Quoi? Un trésor? Allez, on y va. Bon, allez. J'y vais. Tiens. Des blocs. Oh. Porte en piston. Un coffre. Il est là, le trésor. Yes, on l'a trouvé. Pourquoi s'écrit LOL en TNT? Non, merde, je me suis fait niquer. J'entends la TNT, non. Oh. Allez, je réessaye encore une troisième fois. Faut vraiment que je rentre dans cette maison et que je vole tout. Bon, c'est bon, y a pas l'alarme, y a plus rien, y a pas Michel, c'est bon. On peut y aller. Oh non, mais c'est quoi ce bordel, putain, non. J'en ai marre, je m'en fous, je réessaye encore une quatrième fois de rentrer dans cette putain de maison. Michel n'est pas là, donc vite, je me dépêche. J'ai désactivé l'alarme, j'ai tout désactivé. Oh, non, ils étaient pas là, les dispensers, c'est quoi ce bordel? Bon. Oh non. C'est quoi ce putain de bordel de merde? Allez, je réessaye encore. Je m'en fous, je vais arriver, je le sais. Michel n'est pas là, c'est bon. On y va, let's go. L'alarme n'est pas là, c'est bon. Hop, voilà. Je referme derrière moi comme ça, moi je suis sûr qu'il n'y rentrera pas. Bon, je vais aller à l'étage parce que le trésor là, il m'a bien ensorcelé. Hein. Oula. Oh putain, merde, je crois que j'ai fait spawner une bête. C'est quoi ce bordel? Bon, je vais voir ce que c'est. Non, putain, un blaze, non. Putain, en plus j'ai fermé les portes derrière moi, comment je vais faire pour les rouvrir? Putain, non, je vais crever. Putain, qu'est-ce qu'il lui faut pour ce Michel? Je vais crever dans sa baraque. Et en plus ce débile, il crame sa maison. Qu'est-ce qu'il est con? Non, je vais crever, putain, merde, non. Eh bien salut tout le monde, c'est Juju. Aujourd'hui on se retrouve, bah comme vous le savez, pour comme vous avez vu juste avant, bah les 5 façons de bien protéger sa maison contre les pilleurs. Même si j'avoue qu'à la 5ème c'était pas non plus, enfin je protège pas ma maison mais plutôt là je la détruis. Mais en fait c'est 5 façons de bien protéger sa maison contre les pilleurs. Donc si vous voulez que j'explique chacun de ces tutos, enfin chacun de ces piège quoi, à part le cinquième je pense que tout le monde sait comment le faire, mais les 4 autres, par exemple le trou, l'alarme, l'explosion en ouvrant le coffre, enfin si vous voulez que j'explique tout ça, dites le moi, écrivez tout simplement tuto dans les commentaires. Si vous écrivez tuto dans les commentaires, je ferai les tutoriels quoi des 4 pièges, parce que le cinquième pour moi c'est simple quoi, vous mettez un distributeur et voilà quoi. Donc voilà, donc j'espère que ces petites vidéos, hop je défonce tout, ces petits tutos, pas tuto, démonstration plutôt des 5 façons de bien protéger sa maison sur Minecraft, vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, et si vous voulez savoir comment on fait tout ça, écrivez tout simplement tuto dans les commentaires. Et si vous voulez voir ce genre de petites vidéos sur ma chaîne, bah dites le moi, genre des petites astuces de Minecraft, même si quand même beaucoup d'entre nous quoi, enfin d'entre vous quoi, qui savent ils savent ces choses là mais d'autres ne le savent pas quoi. Donc voilà, allez, salut tout le monde.